Le miel, c'est un élément qui est très présent. Enfin, qui est présent, c'est-à-dire qu'il y a des matières que je teste depuis très longtemps. Ça fait 20 ans que je laisse cristalliser. Comme je sais que le miel, c'est une matière imputrescible, je la laisse se cristalliser sur plein de pièces. Et que les galeries me disent, mais non, mais Morgane, mais comme en fait ils ne connaissent pas les matériaux, ils ont peur en fait. C'est toujours la non-connaissance qui amène à la peur, mais quand on connaît une matière et qu'on la voit évoluer. Et donc le miel, j'ai recouvert plein de pièces de miel, etc., c'est toujours là. Et quand je me suis rendu compte que le verre et le miel avaient beaucoup de qualités similaires dans les qualités intrinsèques, leur viscosité était la même. Quand le verre est à son point de fusion, il a une viscosité identique au miel, que ce sont tous les deux des liquides amorphes, que effectivement le miel il peut être solide dans un pot et puis il peut être liquide. Et le verre aussi, en fait, on a cette sensation physique qu'il est solide, mais il est liquide. Enfin voilà, plein de correspondances. Du coup, je me suis dit, ben, voilà, c'est toujours des points de départ. Et puis après, il faut travailler, expérimenter pour arriver à une forme. Enfin, le verre, il est quand même chaud, c'est 1600 degrés, c'est des... Donc j'aime bien qu'on voit que ça c'était un qu'il y a eu une chaleur comme ça. Donc souvent il y a des pièces qui sont directement mises sur du bois, donc le bois prend feu parce que j'aime qu'on voit leur état différent. Et puis aussi il y a toujours comme il y a toujours des rapports de force. C'est vrai que les honnies, ils sont suspendus avec des crochets de boucher et ils sont soudés comme ça au mur. Donc il y a toujours un rapport un peu de rapport de force entre des matières. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne et après j'essaye toujours de l'emmener avec moi et surtout de ne pas devenir une spécialiste d'une technique parce qu'en fait si tu deviens un technicien ou d'une matière, alors à chaque fois ta liberté s'arrête là où tu commences réellement à apprendre ou alors en tout cas j'apprends mais j'essaye de totalement désapprendre aussi rapidement, d'oublier ce que j'ai appris pour pouvoir m'emparer avec la liberté qu'on a de pouvoir s'emparer des choses. Sinon, moi, je pense que les techniciens, ils sont hyper doués et c'est tout un honneur pour nous parce qu'on a besoin d'eux pour travailler. Mais en même temps, ils viennent s'inscrire dans un moule, dans une forme définie et souvent, ils n'en sortent plus. Et nous, justement, il faut que nous, en tant qu'artistes, on arrive à déformer ce moule, en fait. Le verre, en même temps, il est figé et en même temps, il continue sans nous à couler parce que le verre, c'est un liquide amorphe. Et c'est pour ça que sur les églises, tu vois souvent les vitres comme ça qui sont ondulées. Mais nous, on ne vit pas assez longtemps pour le voir couler. Mais les renies vont continuer à couler, enfin, coulent en ce moment même et vont continuer à couler. Et en même temps, enfin, c'est comme un arrêt sur image. Effectivement, c'est un peu comme ces histoires de 24 images par seconde. Enfin, il y a un truc où nous, on a l'impression qu'il est figé et en même temps, il continue. La voix qu'on entend dans l'exposition, c'est un texte de Marguerite Yourcenar et qui s'appelle Fires, feu. Le texte, c'est un corps qui s'évapore, qui se solidifie. Elle parle de mercure, elle parle de métaux, comme ça. Et en fait, elle parle de plein de matières, de physicalité des choses. Et en même temps, c'est des métaphores du corps, c'est des... Et aussi, la force qu'elle a, Marguerite Yourcenar, c'est que fire, c'est finalement, je pense, une description. C'est un mot. Enfin, moi, évidemment, le feu est toujours très présent dans mon travail parce que tout passe par la cuisson dans mon travail. Et en Inde,
toute chose qui passe par la cuisson devient une offrande. Il y a une cuisson ici, il y a une cuisson là, dans les pièces en verre, enfin, dans les honnies, voilà. Et le feu, du coup, est toujours présent, même s'il est, si on ne le sent plus. Enfin, il y a certaines pièces qui peuvent être en feu, comme la pièce que j'ai faite pour Nuit Blanche avec le poème de Rilke. Mais quand le feu n'est plus là, on le sent parce qu'il y a des brûlures, parce qu'il y a de ces états-là. Mais finalement, toutes mes pièces passent par cet état de cuisson. Your face expands so that it fills the universe. 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 You reach the fluid state, which is the one ghosts. Present, your face condenses. You achieve the concentration of the heaviest metals, of iridium, of mercury. Of iridium, of mercury. Of mercury. Of mercury.